Ils le montrent pas, puis ils sont super inquiets les deux là. Lui il est inquiet parce qu'il a froid, moi je suis inquiet parce que j'ai peur d'être nul. C'est con, j'ai pas mon poignard en cas de... En cas de panne. Ouais voilà, en cas de panne d'air, c'est toujours bien d'avoir un poignard, tu vois. Le poignard sert à tout. Hein. Bonjour et bienvenue sur la chaîne Argonautes Plongées. Alors, là c'est une petite vidéo très particulière qu'on va faire un petit vlog. Hein. Vous savez, c'est ces vidéos que je monte un peu à l'arrache et que je tourne sur une journée. Et le petit vlog, il va parler de quoi? Et bah tout simplement de recycleur. Et j'ai même pas entendu, t'as fait une blague sur le fait que les révolutions c'est des révolutions? Non, j'ai dit que l'autre me faisait rêver. Tu pourras très clairement couper cette blague. C'est même obligatoire. Absolument. Pour s'offrir, ok. Je suis en compagnie de Planète Bleue, de Alex et un petit youtubeur qui débute. Bonjour. Bonjour. Bon matin. Nope. Donc on est au Goud, à Marseille, juste à côté des Calanques. Alors, c'est joli comme tout, en dehors de Marseille. On était trois à venir en bagnole. On est d'accord que le projet c'est de plus jamais revenir en bagnole à Marseille. Hein, ouais, c'est ça. C'est exactement ça. Surtout les camions en marche arrière sur la route, c'est sympa. C'est pas l'urbanisme, mais ça agace. C'est Marseille. Alors, je tâcherai de vous expliquer rapidement, pour ceux qui ne le savent pas, le concept du recycleur. Je sais pas si vous avez remarqué, quand je suis dans l'eau, bah, je fais des bulles. Et bien, le recycleur, il recycle ton gaz. En fait, tu vas avoir un long tuyau qui rentre par là et qui ressort de l'autre côté. Et ça va récupérer ton expiration pour le faire passer dans des filtres. Et en plus, tu plonges avec un additif qui va ajouter juste le petit quelque chose que tu as consommé à chaque respiration. Et là, vous allez me dire, c'est drôlement bien, mais pourquoi utiliser un recycleur? Déjà, c'est la classe. Mais surtout, à un certain niveau, ça permet de faire tout un tas de plongées qui sont très compliquées à faire quand tu es en circuit ouvert. Parce que je sais pas si vous avez remarqué, sur mes vidéos, moi des fois je plonge en nitrox, des fois je plonge en air, mais je suis toujours limité par mes mélanges. Et ben, avec un recycleur, tu peux choisir le type de mélange, de pourcentage que tu vas mettre dans l'air que tu respires. Et ça fait que tu peux rester plus longtemps si tu veux, tu peux aller plus profond si tu veux, ou tu peux avoir la classe. Et là, aujourd'hui, on va faire un baptême. Donc, le but principal, hein, ça va être d'avoir la classe. Le cadrage du boomer. Oui, donc je suis instructeur Paddy. Une platinum, mon gars. T'as vu, elle brille et tout. Donc non, je plonge pas trop en France parce que le problème c'est que ma super carte Paddy d'instructeur. Tu permets de faire des trucs en France. C'est là où on sent qu'on n'est pas dans un centre de plongée récréatif, parce qu'on est dans un centre de plongée technique. Parce que dans les centres de plongée technique, si les élèves ils font des grosses bêtises, ça y est, c'est un fait tout bête, c'est que dans le domaine de... Il faut que je fasse une petite confession là. Comme d'hab, hein, si vous suivez la chaîne, vous savez que là je suis en train de faire une petite série de petits pets serrés. C'est parce que c'est bien de se présenter comme un plongeur, un instructeur, mais en fait, t'es pas à l'abri de passer pour un blaireau. Hein. Et du coup. Y'a quoi comme synonyme de péteux? Merdeux. Oui, merdeux, mais ça, il dit ça parce que j'ai la diarrhée. Alors franchement, c'est bas. Comment je me sens? Ouais. Je me sens bien et pour l'instant je réfléchis plus à me dire est-ce que j'aurais dû prendre mon étanche ou pas. Donc je suis pas encore concentré en mode nouvelle machine, tout ça. Mais écoute, franchement je la sens bien, regarde, c'est beau. Il y a déjà Fab qui a pris le contrôle des lieux. Ça nous correspond bien, non? Je me sens plus pastaga que commando personnellement. Allez, on part sur du pastaga.
Bon, là on est sur le bateau, on va partir. Du coup, il fallait faire une séquence départ. Non, non, mais tu fais ce que tu veux. Hein. Alors, là on est prêt à partir, hein, on est sur le bateau, on a tout le matos et on va aller sur le site de Caramaseigne. Et on me dit oui en régie, Caramaseigne. Vu que je vais pas filmer un quart d'heure, 20 minutes, bah je me retrouve là-bas. Allez, à tout de suite. Bon, on vient d'arriver sur le site de plongée. Hein, comme vous pouvez le voir, on est plutôt pas mal. Et je suis assez excité parce que c'est quand même ma première plongée en France. Du coup, on a eu toute une introduction au recycleur avec les règles élémentaires et comment ça marche. On nous a montré un peu la bécane. C'est les images que vous voyez là. Si j'ai bien tout compris, il y a trois règles. La première règle, c'est de ne pas laisser rentrer d'eau dans ton cycle. Hein. La deuxième règle, c'est de bien vérifier sa PPO2. Et si vous ne savez pas ce que c'est, bah un jour j'en ferai une vidéo, promis, mais c'est la pression partielle d'oxygène. Et le troisième truc qui va être le plus rigolo, ça va être notre trim, notre position, hein, qui devrait être bien horizontale. Et on va devoir justement profiter de la spécificité du recycleur qui fait qu'on n'a pas de poumon ballast. Pour les plongeurs, vous connaissez, le poumon ballast, c'est quand on expire, on descend, quand on inspire, on monte. Et ben là, si j'ai bien compris, avec le recycleur, quand on inspire, ça fait rien, et quand on expire, ça fait rien non plus. Voilà. T'as vu, c'est des pieds, ça. Y va ? Bon, en fait, pour ne pas être déconcentré par la caméra, j'avais décidé de la couper. Hein. Du coup, vous ne pourrez pas voir à quel point j'étais vachement bien concentré pour cette première respiration. Et là, je me dis que pour un vlog, c'était un move un peu con. Du coup, à partir de maintenant, je vais en profiter pour vous décrire mes sensations de plongeur récréatif lorsque j'utilise un recycleur. Vous êtes prêts ? Alors, la première chose qui m'aura surpris, c'est la sensation du changement de pression ambiante. Avec un circuit fermé, comme un recycleur, lors de notre descente, la pression va comprimer l'air à l'intérieur de nos poumons et de notre cycle. Pour un plongeur en circuit ouvert, c'est une sensation qui se rapproche un peu de la panne d'air. Hein. Et ça arrive dès les premiers mètres. C'est pour ça que je suis un peu sceptique. Pour compenser cela, il suffit d'ajouter du gaz manuellement ou automatiquement dans votre circuit de respiration. C'est aussi la première fois que j'ai cette impression de devoir tirer du gaz. Même si ça reste confortable, les poumons artificiels demandent un petit effort de respiration. Chose que je n'avais jamais expérimentée avant. Mais rien de bien méchant. Donc, à cause de ce changement de pression, il faut compenser la compression du gaz dans notre circuit de respiration durant la descente. Mais là où ça devient marrant, c'est qu'il faut aussi contrôler notre flottabilité avec notre gilet stabilisateur. Voilà, c'est ce que j'essaye de faire là. Raté. Non, c'était pas le bon. Voilà, donc on a deux inflateurs, hein. Un pour nos poumons et un pour notre gilet stabilisateur. Tiens, et d'ailleurs là je jette un petit coup d'œil vers Fab pour voir s'il galère autant que moi. Bref. Les bulles que vous venez de voir sont une autre particularité des recycleurs. Lorsque l'on ajoute trop d'air dans notre cycle, comme ce que j'ai fait, ou bien que l'on remonte, notre circuit de respiration va être en surpression. Et on se retrouve avec la bouche pleine de gaz. Mais là, ça commence déjà à aller mieux. La deuxième chose qui m'aura troublé, c'est le contrôle de la flottabilité. D'ailleurs, ça se voit, hein, car je suis obsédé par mon ordinateur. Honnêtement, à la première plongée, j'étais soit en train de regarder mon ordinateur, soit en train de regarder Fab pour me rassurer. Ordinateur. Ordinateur. Merde, je veux descendre. Ordinateur. Petite pensée aux instructeurs qui suivent ma chaîne, hein, quand vous avez des plongeurs qui se focalisent sur leur ordinateur, sachez que c'est un signe de stress. Hein. Mais bon, là en l'occurrence, c'était juste un signe que j'avais peur d'être nul. Et j'en profite aussi pour remercier Alex de La Planète Bleue, c'est lui qui nous filme pour nous permettre à moi et à Fab de nous concentrer sur notre première plongée. Une fois que l'on a trouvé notre flottabilité, c'est un vrai plaisir de faire des pénétrations. Et non, je vais pas faire de blagues. Thank you.
Ici, nous sommes dans une petite grotte. Et si j'avais été avec mon matériel de plongée classique, des bulles se seraient formées et auraient frappé la paroi au-dessus de ma tête. Cela aurait créé plein de sédiments et ça aurait fait baisser la visibilité. Mais là, rien ne change. Et un dernier point que j'ai particulièrement apprécié, eh bien c'est tout simplement le silence. Plus que jamais, j'ai l'impression d'être un astronaute en pleine exploration. Écoutez-moi ça. Voili, voilà, voilou, c'était ma première expérience en recycleur. Pas mal, non? Bon, maintenant on va retourner sur le bateau et rester bien jusqu'au bout de cette vidéo parce qu'on va faire le débrief avec Fab. Ah, c'était bien? Non, bon, c'était un peu le bouffe là. Et ben voilà, c'était les deux plongées. On va débriefer un petit peu après avec Fab à l'appartement, mais très beau site. Très très beau site. Merci beaucoup. Il est content? Ah, il est très content. En plus, c'est pas du 4K. Il est dégueulasse. Donc, on vous a quitté sous l'eau, hein, c'était ma première expérience en recycleur. La mienne aussi d'ailleurs. La tienne aussi, bah, oui. C'était notre première expérience en recycleur. Et on va voir maintenant, on va vous parler de notre ressenti. Une sorte de petit débrief. Moi, ce qui m'a vraiment dérouté avec le recycleur, je sais pas pour toi, mais c'était cette histoire de poumon ballast, mais aussi l'effort au niveau de la respiration que j'avais pas du tout l'habitude, vraiment, j'y pensais jamais, et là je me sentais respirer. Il y a aussi ce côté où, comme on a des faux poumons, quand ils sont gonflés à fond et qu'on prend la respiration, bah, y a beaucoup d'air qui vient, et puis plus on arrive sur une fin de respiration, plus c'est dur à respirer. Ensuite, quand on rejette, bah, s'il y a trop d'air dans les faux poumons, l'air revient dans les tuyaux, gonfle les joues. En fait, c'est toute une autre façon de respirer, et c'est... D'un coup, on se sent presque comme un premier baptême de tout, de respiration, on perd tous nos repères, donc c'est assez spécial. Quoi. Absolument, j'ai vraiment eu ce sentiment de redécouvrir complètement la plongée. Hein. Parce qu'il y avait cette sensation de retour en bouche, de... Non mais en plus, faut dire que toi, t'as plus de 1000 plongées, t'as une habitude vraiment grande de la plongée en général à l'air. Quoi. J'ai beaucoup moins d'expérience que toi, donc du coup, c'est moins devenu des réflexes. Tu vois que toi? Oui, car étant moi-même instructeur de plongée. Tu mets la carte en gros plan. Off, non, mais ça me ressemble pas. Il y a mon portefeuille qui doit être au niveau de la. Ça me ressemble pas du tout. Le pauvre, il a dû chercher. Ça vaut la peine. Parce qu'on l'a vu cette carte, faut quand même que vous la voyez un petit peu. Elle est goldée. Ouais, quand même. Elle est goldée. Vas-y, tourne et regarde. Elle est propre. Regardez cette gueule de psychopathe là. C'était à l'époque où je sortais de prison. Merci, Alex. Ah bah justement, on va encore reparler un petit peu des sensations, mais aujourd'hui dans la vidéo que vous avez vue, il y avait d'autres personnes derrière la caméra, notamment La Planète Bleue, et il nous a aidé, vous allez trouver le lien de sa chaîne en description. Alors lui, ce qu'il fait, c'est très intéressant, il s'intéresse vraiment au matériel, ce qui va être ordinateur, mais aussi sur le matériel détendeur, stab. Même moi, je l'ai rencontré en fait sur YouTube en lui posant des questions, donc allez voir si vous aimez le matos. C'est La Planète Bleue, on était aussi avec le centre de plongée Plongée Tech à Marseille. Alors, que dire? Un régal, ils ont été très sympas. Notre guide... Julien. Je m'en souviens. Hein. Julien, ouais. À la tienne, Julien. Merci beaucoup, c'était un plaisir, hein, sachant qu'il y avait un mec avec une marinière et un slip qui essayait de filmer un peu tout et n'importe quoi. Et ben, tu as été très patient et très compréhensif.
Et bah, Fab, du coup, c'était un plaisir aussi de faire cette vidéo. Ouais, c'était vraiment cool. Et puis aussi, préciser que grâce à Alex, donc de la Planète Bleue, qu'on a pu avoir aussi tous ses contacts et qui nous a organisé aussi ce baptême et puis ces différentes plongées. Donc vraiment merci à lui. Et allez voir son travail, plus c'est intéressant. En plus. Mais pour en revenir donc au recycleur, il y a ce côté, à la fin de la plongée, on a eu, je crois que c'était des carangues qui chassaient des petits anchois, et on avait donc des bandes d'anchois qui nous passaient très très près, et c'était super parce que nous on faisait pas de bulles. Et oui, ça, alors c'est ça, c'est la deuxième sensation, c'est le deuxième effet qui se coule du recycleur, c'est qu'une fois qu'on a commencé à comprendre un petit peu comment respirer un peu mieux, comment se stabiliser, parce que la stabilisation, ça aussi, le poumon ballast n'existe plus, c'est-à-dire que chaque inspiration et chaque expiration, ça ne bouge pas. Donc ça a un gros changement aussi dans la façon de se mouvoir dans l'eau. Et le deuxième effet qui se coule donc, c'est de pouvoir en fait avoir des animaux qui sont hyper proches. J'ai carrément eu des poissons qui sont à quelques centimètres du masque et en expirant, il se passe rien. Alors qu'avec des bulles, en expirant, le premier truc c'est... Donc pour moi qui adore les animaux et tout ça, c'est un régal. Par contre, c'est une difficulté supplémentaire. Pour prendre des images, etc., c'est pas encore ça. Alors, pour prendre des images, je pense qu'à un niveau très avancé, c'est mieux. Mais alors, à un niveau, comment dire, de semi-nul, c'est plus compliqué. Parce qu'on doit faire très attention à notre flottabilité et on a tendance, bah, pour le coup, à toucher peut-être un peu le sol si on se plante. Donc, ça demande finalement plus de travail. Sans rentrer trop dans les détails avec le recycleur, bah, forcément, tu as une stab qui va te permettre de contrôler ta flottabilité. Mais tu as aussi tes poumons dans le recycleur qui vont être impacté par ta profondeur, et donc tu as presque deux choses à gérer en termes d'injection d'air. Voilà, mais c'est pas une vidéo sur le recycleur, c'est vraiment un vlog pour découvrir les choses. Si ça vous intéresse d'en apprendre plus sur le recycleur, peut-être qu'un jour je ferai une vidéo sur le circuit ouvert et sur les recycleurs. Mais bon, ça fait un moment que je la dis celle-là, je sais pas si je le ferai, mais j'aimerais bien le faire. En tout cas, moi c'est une expérience que j'ai vraiment aimée. Pour vous donner une idée des prix, ça nous avait coûté, si je me souviens bien, 130€ le baptême. C'est très très abordable, sachant que c'est du matériel qui coûte très cher. Là, il y a une Audi Quattro d'occasion, hein, je pense. C'est une expérience, c'est quand même c'est une expérience en soi. C'est une expérience, parce que même au-delà de l'aspect pas de bulle, au-delà de l'aspect tu peux rester super longtemps, au-delà de l'aspect contrôle de flottabilité, moi, il y a un autre truc que je trouve vachement cool avec les recycleurs, bah, c'est le côté compact. Hein. Bah, tout ton matos est près du corps et c'est pas si lourd que ça. Mmh. Ouais, c'est une autre sensation. Ouais. J'ai bien aimé cette sensation. Et il y a aussi un détail très important, c'est que au niveau du temps de plongée, on peut l'allonger de façon significative par rapport à un circuit ouvert. Donc on peut rester beaucoup plus longtemps à des profondeurs qui sont plus profondes. Par exemple, même une profondeur classique de 20 mètres ou 25 mètres, on peut déjà rester Définiment. Encore une fois, on ne va pas rentrer trop dans les détails, mais à 20 mètres, avec la pression partielle d'O2 qu'on a dans l'autre cycleur, on peut rester... Je crois que c'est la durée de vie de la chaux qui fait un peu la notre limite. Putain, moi j'aurais plutôt dit la durée de vie de ma vessie, mais... Alors, je vais vous dire, hein, aucune combinaison n'a été souillée durant cette vidéo, mais c'est pas passé loin, hein, c'est pas passé loin. D'ailleurs, combien de combinaisons t'avais, hein? Parce que c'est intéressant aussi de voir ça. Oui. Parce que quand même, c'était, au bout d'un moment, ça caille. Vous voyez un oignon? Voilà, un oignon. Voilà. En gros, c'était un oignon subaquatique. Alors, résumé ça comme ça. Ouais, j'avais la Marès Thermo, j'avais un Lycra pour que ça glisse mieux, j'avais une Shark Skin et j'avais ma combinaison 2 mm de chez Scuba Pro et la petite dernière avec une capuche de 7 mm. Bon, j'avais un peu froid, mais globalement ça allait. L'étanche, c'est indispensable dans nos régions en plein hiver. Mais toi, t'aurais vu ta gueule. Non, j'étais pas bien. J'avais juste une 5 mm. Tout était très. Comment dur. Ah bah peut-être mou plutôt à la fin. Tu parlais des tétons, hein. Ce genre de choses. Ah oui, il y a eu du téton saillant. Ça veut, cette image ne veut rien dire. Il y en a un qui a un petit kawé bien, l'autre qui a une doudoune de moins 14, puis un torse poil, les tétons qui pointent. Alors, il y a deux lectures. Je vous laisse en commentaire choisir. Est-ce que vous pensez que je voulais à tout prix avoir le téton saillant et je ne crains pas le froid? Ou bien je suis un putain de touriste et j'ai oublié... Bah non, c'est pas que j'ai oublié, c'est que j'en ai même pas pris. J'ai pas pris de vêtements. Pourquoi je parle de mes tétons en fait? C'est comment t'arrives à me faire parler de mes tétons? C'est quand même fou ça. Je sais pas. C'est un talent quoi, je pense. Ouais, peut-être. Ouais, mais attends, t'as pas vu non plus. S'arrêter aux tétons, je crois. Ah non, parce que bon, on est d'accord que. Hein, Faux. Pardon. Bref, cette conclusion est un peu longue, comme toujours, vous savez.
j'aime vous régaler avec mes vidéos et j'ai du mal à les finir. Mais là, bah, on va la finir. Le recycleur, c'était une super expérience. Moi, je suis très content d'avoir pu faire cette vidéo avec toi. Pareil, ouais. On s'est bien marré. En plus, on a rencontré des gens super intéressants sur le bateau. La prochaine étape, bah, sans trop teaser peut-être, qu'on a commencé à travailler sur une autre petite vidéo hein, qui va être et sur la chaîne de Fab et sur la mienne. On va pas donner d'informations trop précises parce que je sais pas ce qui va sortir en premier. Le teasing est de ouf, mais sachez, pendant 8 minutes. Vous n'êtes pas prêts. Vous n'êtes pas prêts. Et lui, peut-être qu'il sera décédé. On ne sait pas. On ne sait pas. On sait pas. Pour l'instant, on est en stand-by avec ça aussi. Abonnez-vous, mettez la cloche, hein, commentez, partagez. Et puis, on se revoit dans le bleu. Bah ouais. À bientôt. On se revoit dans le bleu. Ciao.